franchir l'espace et le temps. Comme dans nos rêves d'enfant, l'aventure c'est de venir grand. Dormi, oh, oh, dormi, ça va? Ah. Bonjour Laps. Mais il ne nous embrasse même pas. Tu vois bien qu'il est occupé. Ah, quel magnifique palais! Il se trouve dans quel pays? À Java, en Indonésie, vers 1355, dans la ville de Majapahit. Un mariage va être célébré au palais et la tradition veut qu'un spectacle de marionnettes soit donné pour cette occasion. Ici, dans la loge royale. L'œuf de cuivre se trouve sûrement sur l'une de ces marionnettes. Alors, Léa, tu aimes ça, les marionnettes? Oui. Encore faut-il que vous trouviez la bonne marionnette. Je n'arrive pas à comprendre comment l'œuf de cuivre peut se trouver à un endroit pareil. La dernière fois que nous avons retrouvé sa trace, il avait été vendu à un marchand de Taïwan. Enfin, nous verrons bien. Allez-y, les enfants, c'est l'île la plus allongée. Là-bas. C'est sûrement la loge royale. Oh, Léa, viens voir. Venez voir. Waouh, elles sont belles. Et puis elles ont l'air délicates. Oh, ma marionnette, elle vient de me faire un clin d'œil. C'est plutôt toi qui as une poussière dans l'œil, tu crois pas? Elles se réveillent toutes, elles sont toutes en train de bouger. Certaines ont l'air bien énervées. Mais j'ai peur. Ne t'inquiète pas, le soir d'une représentation, les marionnettes s'animent toujours. Ah bon? D'habitude, seul le dalingue, celui qui fait vivre les marionnettes, le sait. Vous voulez dire que vous vous animez pour de vrai? Oui, jusqu'à la fin du spectacle. Lui, c'est Semar, le chef des Panakawan, les clowns. Semar livre le combat final. C'est un buta. Les butas sont des démons, des forces primitives abominables. Seul le grand dalingue réussit à contenir leur débordement. Kakin, leur chef, est déjà parti. C'est lui l'adversaire de Semar. On va rejoindre Kakin ce soir. Nous aussi, on sort. Vous êtes devenus fous. Le spectacle va commencer et le grand dalingue va revenir d'un instant à l'autre. Votre chef cherche à éviter le combat final. C'est pour ça qu'il est parti. On s'en moque de ton grand dalingue. Oh maître, où êtes-vous? M'entendez-vous? Le grand dalingue a disparu. Oh mes dieux, venez à mon aide. Oh, merci de venir à ma rescousse, très honoré émissaire des dieux. Je vous en supplie, aidez-moi. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mon vénéré maître, le grand dalingue et la marionnette princesse Sri Kandi ont disparu. Sans le grand dalingue, le pire est à redouter. Mais pourquoi? Le dalingue dirige les combats, les improvisations, tout cela 8 heures de suite. Je n'arriverai jamais à remplacer mon vénéré maître. Oh mes dieux, faites-moi vieillir, je suis trop jeune, trop jeune. Nous pouvons essayer de vous aider un peu, le temps de retrouver votre maître. Le spectacle doit se dérouler du coucher au lever du soleil, sans jamais s'interrompre, sinon le malheur s'abattra sur les mariés et la famine sur le pays. Mais le combat final qui oppose les butas aux forces du bien, que j'ai l'honneur de représenter, ne peut être dirigé que par le grand dalingue. Nous partons tout de suite. Nous ferons tout pour le retrouver. Il faut que j'aille préparer la scène. On vient avec vous. Bonne chance. Oui, vous aussi. On commence par où? Ben, allons voir par là. Oh.
Et cessez de trembler comme des imbéciles. Je vais enlever le grand dalangue. Maintenant, nous sommes libres. Maintenant, il faut retrouver les bijoux que le dalangue a achetés à un marchand taïwanais. Ce qu'il a donné à sa chère princesse Rikondi, à ça, il faut reconnaître qu'ils sont beaux. Il veut dire qu'elle a reçu tous les bijoux. Oh, pour elle, rien n'est trop beau. Moi, j'ai entendu dire que le bijou incrusté dans son jamang était très rare. C'est celui-là que je veux. Mais Kakil, enfin, tu sais bien qu'on ne peut pas voler un dalang sans provoquer la malédiction. Pourquoi aurait-elle tous les bijoux? Et pas à nous, pas un seul. Vous ne trouvez pas ça humiliant? De toute façon, Sri Kandi a disparu. On ne l'a plus revue depuis l'enlèvement du dalang. Il faut la retrouver coûte que coûte. On se partagera les bijoux et je vous promets que je vous débarrasserai du dalang. Vous m'entendez? La liberté pour toujours! Mais on sait pas où elle est! 2 ans de plus pour la chercher! Vous deux, retournez fouiller le palais! Vous, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer! Et tu as compris ce qu'il a dit? Oui, je pense quand même que la malédiction pourrait vraiment... Oui, mais... Ah, le spectacle a commencé. Les filles, maintenant. Il faut que le spectacle puisse se poursuivre. Et pour ça, il faut ramener les butards. Vous n'avez pas vu Sri Kandi? Oui, il a raison, il faut ramener les butards. Non, de vrai, vous n'avez pas vu Sri Kandi? Moi, je trouve que nous devrions partir à la recherche du grand dalangue. Vous n'avez pas vu Sri Kandi? Rejoignez la scène. Arrêtez, arrêtez, vous allez lui faire mal. Kandi avec son bijou. Aïe, aïe, aïe. Ce maudit butin vert a récupéré l'œuf de cuivre. Il faut retrouver la princesse. Je veux qu'on passe les alentours du palais au peigne fin. C'est quoi un peigne fin? Ben c'est un palais. Toi, toi et toi, surveillez-le. Et surtout ne lui enlevez pas son maillot. Va vite chercher de l'aide au palais. Moi, je surveille ce qui se passe ici. Courage, le palais, c'est pas si loin. Allez, fouillez, fouillez, fouillez. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les bijoux de la princesse! Regarde celui-là sur mon poignet! C'est dommage que tu n'aies pas de miroir pour que je me regarde, je suis beau! Fais pas tant de bruit, tu vas nous faire repérer! Ouah, t'es jaloux! Jamais je n'aurais cru que coudre me servirait à ce point-là. Merci beaucoup, je me sens tout à fait bien maintenant, vous êtes merveilleuse! Mélanie! Mélanie! On a retrouvé le dalangue dans la forêt! Qu'est-ce que tu dis? Il est prisonnier des butins et d'Avidati! Avidati? Oui! Il sait aussi que la partie de l'œuf en cuivre se trouve sur la coiffe de la princesse Rikandi. Ah bon? Et Arthur? Il m'envoie chercher du renfort. Mais est-ce que les marionnettes sont encore capables de se battre? On pourrait aussi tenter d'attirer Avidati ici, mais c'est très risqué. J'ai une idée. Si on lui dit que la princesse Rikandi a retrouvé, il viendra? Oui, sûrement. Alors va aider Arthur, je m'occupe du reste. Le grand dalangue est en péril. La guerre ne peut être évitée. Toi, chevalier ailé, va dans la forêt et prends le commandement de l'armée des forces du bien. Tout repose sur toi. Tu peux compter sur moi, ô mon roi. Suivez-moi, puisque le roi l'ordonne. Faites attention avec Avidati. Bon courage. Ino, qu'est-ce qu'on doit faire? De la couture, on va préparer mon déguisement. On pourrait s'en débarrasser. Ouais, d'accord. Il suffit de lui aplatir la tête à coups de bâton. Les humains sont très fragiles. C'est quand même un grand dalangue. Qui sait, celui-là d'où il sort? Je viens de la part de Kakil. Si vous empêchez le dalangue de retourner au théâtre jusqu'au lever du soleil, le spectacle ne se terminera pas. Il n'y aura pas de combat final. Et vous serez toujours libre, pas besoin de tuer le dalangue. Ça m'a l'air rudement bien, son idée. Mais c'est pas sûr que je comprends tout. Mais si, regarde. 1, on retourne pas au théâtre. 2, on reste libre. 3, après le lever du jour,
on reste libre. En attendant, lui, il serait très bien dans la cage aussi. Non, lâchez-moi. Baisse-toi juste un peu, on voit tes pieds. Voilà, c'est parfait. Tu crois que la servante va réussir à convaincre Abidati? Oh oui, je crois qu'on peut compter sur elle. Bon, maintenant on fouille la forêt. Oh non, c'est plein de bêtes féroces. Pour les humains, abrutis, mais pas pour nous. Je viens vous prévenir que les marionnettes des forces du bien lèvent une armée pour délivrer le Dalang. Tu veux dire qu'ils quittent la scène pour venir libérer le grand Dalang? Oui, la princesse Rikandi est revenue et elle leur a fait un tas de discours. La princesse? Annonce-lui que mon ami le Rajan du Rajasthan en personne désire la rencontre. Nous, on n'a pas peur des chevaliers. C'est la guerre. Alors on va se battre. Srikandi, on n'en a rien à faire. On retourne à la cage. Essayez de rester discret. Va prévenir la princesse que mon ami arrive dans 5 minutes. Pas d'autre solution que de ralentir le spectacle. Allez, à toi de jouer. Non, espérons qu'Arthur et Vincent puissent libérer le grand Dalang. Je vous remercie, noble étranger. Nous avons gagné un peu de temps. Nous cherchons un bijou en cuivre qui vous a été vendu par un marchand de Taïwan. Il est très important pour nous. Accepteriez-vous de nous le vendre? Je vous le donnerai de bon cœur. Arthur! Ça y est, ils viennent nous délivrer. Je suis là, dans la cage. Si vous avancez, je frapperai la tête du Dalang jusqu'à ce qu'elle éclate comme une pastèque. J'ai mal à la tête, qu'est-ce que je fais ici? Où est mon ennemi, Sema? Bonsoir, vous êtes l'ami de Kakil et vous désirez rencontrer la princesse Srikandi, à ce qu'il paraît? Vous m'avez annoncé. Lorsque je vous ai décrit comme un Raja Seberang, elle n'a pas résisté à l'envie de vous voir. Conduis-moi auprès d'elle. Mais il faut la traiter avec les égards dus à une jeune fille de son rang sur le point de se marier. Elle est sous ma responsabilité personnelle. Semar, où est Semar? Il n'est pas loin du bassin à poissons, il vient de parler à Abidati. Le Dalang le demande dans la forêt de toute urgence. On va se retrouver toute seule avec Abidati alors? Princesse Srikandi? C'est moi, oui. Je suis Avidati Cupidor, Raja du Rajasthan. Mais dites-moi, sublime princesse, pourquoi soustraire votre insoutenable beauté à mes yeux lésés par ce voile? Oh, Raja, je n'ai plus que quelques heures à vivre avant mon mariage. Demain, je pourrai apparaître au grand jour, mais tant que brillera la lune, ce voile d'or devra me soustraire à vos yeux lésés. Parlez-moi de votre apparence, décrivez-vous. Ma taille est fine, comme une tige de lotus, et mes épaules sont blanches. Certes, vos épaules, votre cou et votre tête. Ne me bousculez pas, je n'ai pas le droit de parler de mon visage. Vous voulez libérer le grand Dalang? Alors là, pas question, jamais! On attaque! Vincent, il faut que tu te débrouilles pour fabriquer une torche. Mais oui, avec un bout de tissu, et avec ce que maman ne veut pas que tu utilises. Il est encore temps de sauver le spectacle. Retournez sur scène. L'aube approche. Maman m'avait vu. Écoutez-moi, les butins. Lorsque le soleil sera haut dans le ciel, vous ne serez plus que de misérables poupées inanimées. À l'aube, vous tomberez comme des mouches, et ceux qui resteront gisants dans la forêt seront recouverts par les lianes en une seule journée. Qui m'a enfermé dans le coffre? C'est marre. Ah, voilà Kakil le lâche, le traître. Comment oses-tu me parler comme ça? Comment veux-tu qu'on parle à un lâche fuyard? Ah, yeah, 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 yeah.
Votre bouche, bien sûr, votre nez, vos oreilles, assurément. Mais qu'avez-vous sur votre tête? Mes cheveux. Ils sont noirs comme l'ébène, ils ondulent comme le ruisseau bondissant sur les galets. Comment sont-ils coiffés? Sont-ils longs ou courts avec des tresses? Et sur le côté, au-dessus de la boucle d'oreille? Ne vous fâchez pas, cher prince, j'y viens. Au-dessus de mon dawala se trouve... Oh, je me sens soudain si lasse. Bidati vous a fait croire qu'il allait vous donner la vie. Il vous a trompé. Vous feriez mieux de le chasser. Ne voyez-vous pas que c'est lui qui mérite votre courroux? Bidati nous a manipulés. Il a enfermé Kakil dans le coffre. Comment vous remercier, nobles étrangers? Nous sommes très fiers d'avoir pu vous aider, Grand Alan. Trêve de simagrée. Montre-moi le dawala que le Dalang t'a donné. Mais je n'ai pas de dawala, j'ai... Quel que soit ton nom, donne-moi le bijou accroché dans ta coiffe. Oh, misérable vermine, cette fois-ci tu vas me le payer. Aidez-moi. Vous êtes la princesse Srikandi? Et vous étiez ici depuis le début de la soirée? Depuis le coucher du soleil. Mais que sont devenus vos bijoux? Au moment de son enlèvement, mon vénéré maître m'a jeté dans ce buisson, en m'enjoignant de l'attendre jusqu'à son retour. Mais un peu plus tard, un affreux butaver m'a dépouillé des bijoux que le grand Dalang avait mis dans ma coiffe. Je n'ai plus rien. Le fan cuivre a encore disparu. Il faut retrouver les deux butavers. Ils vont sûrement retrouver les autres dans la forêt. On y va! Soyez prudents! Ne sois pas si triste. Même sans tes bijoux, tu es très belle. Princesse! Princesse Srikandi! Vous êtes vivante! Viens te battre sur scène et abandonne tes rêves absurdes! C'est l'aube. Il est temps. Allez, accélère, mon vieux. Vengeance? Poussez-vous, bande de bons à rien! Mes bijoux! Les barons! Attention! Les bijoux! Lâche-les! Lâche-les! Jamais! Dire que la partie de l'œuf en cuivre nous a encore échappé. On a eu à peine le temps de le voir. Eh bien, moi-même, pas du tout. Ces mares ne pouvaient pas vous faire de plus grands cadeaux. En Indonésie, tout ce qui touche à cette arme est sacré. On ne se sépare jamais de son Christ.
Merci Arthur, et bravo les enfants. Abidati n'est pas prêt d'oublier son petit séjour à Java. Quant à la partie de l'œuf en cuivre, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que nous allons la retrouver un jour. C'est une question de patience. Regardez votre sablier, il est tout bouché. Je l'ai jamais vu comme ça. Il y a un gros clou qui s'est mis en travers. On peut pas le secouer? Non, enfin, pas maintenant. C'est comme ça qu'il se pose. Il faut le laisser. Et je crois que le laps a aussi besoin de repos. Repose-toi bien, laps, parce qu'on va revenir très bientôt. À bientôt, les enfants. À très bientôt. Les enfants, il y a une dépêche de papa. Ouais, une dépêche de papa. Dormir.